Dans cette séquence, on aimerait calculer la transformée de Laplace de cosinus de kt et de t. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc déjà, on va essayer de trouver la bonne formule. Transformée de Laplace d'un cos, ça va être celle-ci. On me parle de cosinus de oméga t, donc on va devoir chercher la valeur de oméga. Donc si on a cosinus de kt de t, donc l'oméga vaudra 4. Donc si j'applique la transformée de Laplace, ça veut dire que ce petit g de t se transforme en grand G de P, ça va être égal à, on me dit P sur P carré plus oméga, c'est-à-dire nous 4 au carré, qu'on peut écrire P sur P carré plus 16. Attention, interdiction de simplifier P et P carré parce que ici il y a un signe plus et non pas un signe fois. Donc voici la transformée de Laplace de cosinus 4t.